Bonjour les amis, c'est Twinter de Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer votre skin Minecraft Pocket Edition. D'un, il faut que votre iPod soit jailbreaké. Et s'il ne l'est pas, ben, regardez la vidéo et vous allez savoir comment. Et si vous le savez déjà, ben, merci de regarder si vous regardez. De un, il faut qu'il soit hacké. Puis de deux, il vous faut plusieurs programmes et sur Cydia. Bon, on va commencer. Vous avez Download Lite. Ben, vous allez le télécharger sur App Store. Download Lite. À moins que vous allez acheter la version complète, mais ça ne change rien. Vous allez sur Minecraft.fr. Là, vous choisissez vos skins là-dedans. C'est Minecraft.info, excusez-moi. Je peux aller voir n'importe quel skin. J'en ai ici un, là. Genre, j'ai le Golem de fer. Les Run Golem. Je l'ai déjà downloadé, mais genre, vous cliquez sur Download. Je vais le refaire, là. Voilà. Download. Done. Il est downloadé ici. Moi, je l'ai en troisième. En trois fois. Ici, je l'ai aussi. Bon. En mettant les Run Golem. Happening. iFile. Comme il est marqué ici, iFile. Vous allez sur Cydia. Il est ici, iFile, j'ai déjà downloadé. Vous allez sur Cydia. Là, vous attendez que ça load. Ça prend du temps. Un petit moment de silence. Vous allez dans Recherche. Vous écrivez bon load annul. Ah. Oh non, ok, go. iFile. Faites recherche. Mais si il y a iFile, bannet d'iPhone, moi je l'ai pas pris. Le bannet d'iPhone, la source c'est h7v.org. Moi j'ai pris iFile de Big Boss. C'est lui que j'ai pu prendre. Puis là, quand vous l'avez téléchargé, vous allez sur Downloader Lite. Et après, en bas, dans la petite barre noire, vous allez dans File. Attendez que ça load avant. Vous allez dans File. Puis vous choisissez. Moi j'ai déjà deux, trois. Genre. Ici, lui, puis lui, on peut les supprimer. Puis j'ai pris le tel. Open in iFile. On va attendre que ça load. On est sur iFile. Bon. J'ai un Neuron Golem qu'il faut que je supprime. Modifier. Iron Golem supprimé. Bon, là, vous avez votre skin, faites sélectionner ou vous cliquez sur modifier. Et il faut le copier. Donc, quand vous le copiez, vous faites en haut mobile pour retourner, vous faites application. Puis ici, vous avez tous vos jeux et applications que vous avez dans votre iPod. Et là, vous cherchez Minecraft. Moi, j'ai déjà trouvé. Moi, c'est 3851DB54AA38.1.1.3. En tout cas. Vous cliquez dessus, mais moi on n'a pas toutes les mêmes. Vous êtes sur Minecraft app Pocket Edition. Vous faites modifier en haut. Vous faites ici le genre de cartable. Vous faites coller. Là, faites ok. Là, ici char. Ici, c'est votre skin. Moi, je fais sélectionner, puis je supprime. C'est le skin que vous avez quand vous commencez, Stevie, ou soit vous l'avez déjà changé. Bon, après, vous allez, quand vous avez fait coller, votre skin va apparaître. Moi, c'est Iron Golem. Il apparaît ici. Moi, je fais sélectionner, je fais la petite flèche. Je le change. Vous allez changer en char. Bon. C'est H-A-R. Ok, bon là Iron Golem il apparaît plus, fait que là vous allez dans les C et vous faites char. Ici, il est remis. On fait la petite flèche, ouvrir avec lecteur d'image.
Et là, vous pouvez voir que votre skin a changé. Alors, là, j'ai monté. Ok, attendez. Ça a baissé. Ouvrir avec une autre image. Là, vous avez le goulum. Bon, maintenant, vous revenez. Vous êtes sur Minecraft. Bon, moi, je vais vous avertir. Je suis pas capable de parler pendant que je joue à Minecraft. Fait que ça va être silence pendant que je joue. Ok? Go!